Salut tout le monde, c'est Jolatte, j'espère que vous allez bien. Et on est de retour sur Samuel Manuela. Bon, j'ai vu que vous avez bien aimé le premier épisode, donc ça déjà, ça fait très plaisir. Vraiment, merci à tous pour tous les likes, les commentaires, les partages, ça fait très plaisir. Un petit bonbon. Ah, faut que j'arrête de tous les manger parce que le jour où il y a les gens qui vont frapper chez moi pour Halloween pour demander des bonbons, eh ben il y aura plus rien. De toute façon, je m'en fous, en général, j'ouvre pas la porte et je mange mes bonbons derrière la porte en les écoutant frapper. Mais bien sûr que non, je déconne. Je leur ouvre la porte et je mange les bonbons devant eux. Bon, du coup, on est parti pour charger la sauvegarde. En tout cas, oubliez pas que dans la description, vous avez un petit lien pour acheter des jeux moins chers sur G2A. Ça fait plaisir. Bon, la dernière fois, souvenez-vous, on s'était arrêté là. On était en train de conduire. D'ailleurs, c'était chaud. Eh, c'est pas vrai qu'il va falloir que je recommence en plus. Ah bah si. Bon, alors, faut juste que je me remette les boutons en main, comme la dernière fois. Ok, ça c'est pour passer les vitesses. J'embraye, je passe. Non, ça c'était pour tourner à droite. C'est super chaud, je vous assure, c'est un truc de fou. On passe la 3, nickel. La 4, impeccable. La 5, c'est pas une boîte 6, non? Un taco comme ça. Ah non, oh putain, je vais direct passer la 5, ok. Respire, Sam, respire. Tranquille, faut que je cligne un peu des yeux. Voilà. Ouh putain, il devient bleu mon vieux des fois. Laisse tomber. Mec, il y a une petite dame devant. Ok, je l'évite. C'est bon. Je l'ai évité. Ouh. Ah, je l'ai évité, nickel. Vous avez vu ce coup-ci, c'est bon, ça rentre là. Ouf, on a failli buter la bioc. Écoute, si tu écrases quelqu'un avant que son heure ne soit arrivée parce que tu conduis mal à cause, alors regarde la route. D'accord. Je regarde. Et je suis quand même je suis à 140 là. Bah alors mon pote, tu dois te demander pourquoi ça t'arrive à toi. Tout ce foutoir. Oups là. Tranquille, tranquille. Ça va. Easy. C'est de la bouse de taureau. Oups là. Tranquille. Prends à droite. Pure à la ferme. Bref. Les tranches de vie que tu donnes aux gardiens pour rentrer en enfer, elles sont partagées entre la banque des enfers et Satan. Hop là. Tranquille. À droite, man. T'inquiète. Eh, franchement, ça gère. Par contre, j'ai oublié de respirer. Voilà, cligne des yeux. Tranquille. Wouh. Ça va, ça gère. Eh, regardez, je m'en sors plutôt bien comparé à la dernière fois. Hein. Ça va, hein. Ok, d'accord, ça marche. Eh ouais, mec, le grand S. C'est quoi ce nuage gris en plein milieu de la route? Ah bon? Quoi? Oh purin, c'est un troupeau de vieilles dames. Wouh! Freine! Oh putain! Ça y est, je l'ai évité? C'est bon? Ok, on va y aller tranquille. Ah d'accord, putain, il y en a partout. Laisse tomber. Il y en a partout. C'est un truc de fou. Remets sur le volant, tourne, respire. Wouh. Je l'ai tapé. Et ainsi Sam conduit la voiture jusqu'à un endroit où il n'est jamais allé. Un endroit qui s'appelle Bridge Street. Oh putain, il est bleu Sam. Vas-y, tranquille. Voilà. Non, sérieux, où sont les membres de gang? Qu'est-ce qu'il y a? Il est en train de m'emmener dans un gang? Excusez-moi, vous faites partie d'un gang? Mec, t'en fais pas, je sais où sont les membres de gang. Ah ouais? À la grande surprise de la mort et au grand soulagement de Sam, les membres du gang sont étalés par terre sans vie. Ouais, c'est plutôt cool. C'est là que la mort remarque distinctement une silhouette au loin. C'est quoi ce délire, cousin? Pourquoi est-ce que... Respire, Sam. Oh, purin de ferme. La silhouette et la discorde et l'hostilité. Le carnage et l'animosité, le conflit et la violence. Le combat et la lutte. La guerre. Elle ne porte pas de vêtements ridicules et ne fait pas de kickflips. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ah, ça, c'est la femme de la mort, je pense. Elle se tient juste là, fière du travail accompli. Oh, purin de ferme, oh, purin de ferme. Qu'est-ce qu'il me raconte? Je peux plus respirer. Je peux plus respirer, je peux plus rien faire. Bon, ne sois pas toi-même. Salut la guerre, comment ça va ma puce? Tu veux faire un tour dans ce beau petit bolide? Oh putain mon vieux, comment qu'elle arrive? Oh, ce délire. Kill them all. Genre elle est en train d'écouter de la musique métal et tout avec les plaques militaires. Oh purée de ferme, elle arrive. Salut ma belle, tu vas où? Ferme-la et conduis-moi au métro. Ok, tranquille, on y va. Je prends juste une petite bouffée d'oxygène et on est parti. Voilà. Putain, regardez ça, comment qu'elle est trop badass, mon vieux. Elle est derrière là, laisse tomber. Allez, vas-y, c'est parti, let's go. On y va, tranquille. Vous inquiétez pas, je gère. Tu n'es pas censé être en train du genre faucher des vies? Ouais, ouais, mais je m'ennuyais. Attends, putain, c'est super chaud à gérer les vitesses, à lire ce qu'il est en train de dire et tout. Laisse tomber. Pas vrai, Samy? Ok, je m'arrête. Ok, let's go. D'accord, tranquille.
Attends, je prends une petite bouffée d'oxygène. Ou laisse tomber, je deviens bleu. Laisse tomber, le délire. Alors attends, c'est parti. Voilà, tranquille. Tac, merde. Tac, ok. Embraye, passe la vitesse. Parfait. Mais vas-y, mais elle veut tout le temps que je m'arrête, elle. Tiens, vas-y. Elle est en train de niquer tout le monde. C'est un truc de fou, elle est en train de niquer tout le monde. On peut y aller, c'est bon. Bon, et ben c'est parti. Allez, let's go. Tourne, Sam. Merde, attends. Non, pas ici. Voilà. Ça, c'est parfait. Putain, laisse tomber, je me perds dans les boutons, c'est un truc de fou. Je me perds trop, quoi. Ouh ! Ouais, ça marche. Elle me fait faire des trucs de malade. C'est un truc de fou. C'est bon ? On peut y aller ? Voilà, je respire, je prends quelques bouffées tranquillement. Embraye et let's go. Allez. J'ai rentré un kickflip aujourd'hui. Ah ouais, cool. Prends à gauche. D'accord, à gauche. Vas-y. Bah, merde. Ah oui, bah oui. Ça va. Voilà. C'est bon. Ah, pick up. Vas-y. Nickel. Laisse tomber, comment que c'est chaud. Mec, stop. Ok, alors. Et sinon, tu vas faire que ça de m'arrêter à chaque fois ou comment ça se passe? Non? Oh, tu as vraiment rentré un kickflip? C'est stylé. Oui, enfin, j'ai presque rentré un kickflip. Ok, d'accord. Tu sais, Famine fait un frontside kickflip mortel. Quel crâneur. Stop here, yes, vas-y. Oh, ça va. Tranquille. Elle est en train de bousiller tout le monde, c'est un truc de fou. Oh, abusé, les mamies sont revenues. Ça va pas me faciliter la tâche par contre. Ouais, tranquille. Voilà. Oh, merde! J'ai failli y rentrer dedans. Allez, dépêche-toi, mon vieux. Putain, je vais respirer un coup là. Ou laisse tomber, je deviens bleu. J'oublie à chaque fois de respirer. Vas-y, respire. Cligne un peu des yeux. Voilà, qu'ils reprennent un peu des couleurs, notre Sam là. Hein? Allez, c'est parti, let's go. Tranquille. Right. Right, left, left. Ok. Vas-y. Passe la 2. Ok. Oh, je ne m'habituerai jamais à ces mamies. Arrête-toi là et descends. Arrête-toi là, c'est là que je descends. Allez, vas-y. Ok, à plus, ma puce. Ouais, ouais. Genre. Attends, je vais respirer un peu. J'ai oublié. Qu'est-ce que tu regardes? Qu'est-ce qu'il y a? Au flûte, tu vas être en retard au travail, cousin. Écrase le champignon ou on arrivera jamais à temps. Allez, allez. Très bien. C'est parti. On y va. Allez, vas-y. Passe la 2, Sam. Voilà, tranquille. Ouais, bah mon vieux, je peux pas aller plus vite que ça. Je suis à fond sur la pédale. Plus vite, mon pote, passe la 5ème. J'y suis déjà en 5ème. Attends. Bouge pas, je vais mettre un coup de 4. Ah non, ça veut pas. Plus vite, mon pote, passe la 5ème. J'y suis déjà en 5ème. Écrase le champ. Oh merde. Oh putain, stop. Je crois qu'on a percuté. Oh fudge. Purin. On a tué quelqu'un? Faites que ce soit juste un caillou ou un hipster ou un truc du genre. Sam sort de la voiture pour voir ce qu'il se passe. Oh non, mec, oh le bad. Oh non. Il n'a qu'à suivre la voix pleurnicharde de la mort. Ok, on y va, tranquille. Alors je rappelle que c'est toujours moi qui marche, hein. Si je fais un pas de travers, voilà, il fait le grand écart. Qui c'est qu'on a tué? Merde, relève-toi, Sam. Droite, gauche. Purin, son heure n'était pas venue. D'accord. Ce n'était pas le moment. Merde, respire. Qu'est-ce que je vais... Hey, attends un peu. Oh, lui, il a une idée. Dis, Sam, je peux t'emprunter ta dernière tranche de vie? Cligne des yeux deux fois pour dire oui. Et si je disais non? Allez, j'ai dit oui. Allez, vas-y, j'ai dit oui. Je sais pas ce que ça aurait fait, franchement, si j'aurais rien fait. Yo, faisons un marché que tu pourras pas refuser, blablabla. Tape-toi le saumon 57 fois en 24 heures ou tu resteras mort pour toujours. Maintenant, fous le con. Fous le camp. Hey, j'ai pas pu m'en empêcher. Enfin, partons d'ici. Respire.
Ok. C'est une autre journée bien remplie chez Robocorp Incorporation, où sont produits des robots automatisés pour le divertissement, le confort et surtout la sécurité. Enfin, Sam arrive au travail. Après avoir vécu la matinée la plus terrifiante de sa vie. Ok, vas-y Sam. C'est parti. On avance. Il se dandine jusqu'à l'entrée encore secoué par les événements du trajet. Tu m'étonnes mon vieux. J'ai failli écraser 56 vieilles. C'est un truc de malade. Quand je me suis fait exploser le nez dans un accident au laser... Qu'est-ce qu'il raconte? Ils m'ont donné un nez de robot. Ah ouais! Ah, la dernière invention de Robocorp. Et la meilleure, la d'accord. On dit qu'elle a plus de 3000 fonctionnalités, dont l'extermination de la vermine, l'extermination du robot et l'extermination des invités. Et elle fait même le café. Eh ben mon vieux. Ok. Attends, on respire. Sam fait le grand écart, tu gagneras leur respect. Ah ouais? D'accord. Écoutez, si c'est ça, on va avancer en grand écart. Voilà, tranquille. Regardez, je peux respirer en même temps. Je suis là les acrobaties, mon vieux. Oh putain, je suis bleu. Lève-toi, Sam. Allez, c'est... Merde. Allez, droite, gauche. C'est parti. Comme les 7 millions de fois précédentes, Sam a perdu la clé électronique de son bureau et doit en demander une autre à la réception. Salut, salut! Comment ça se passe, Non? Alors attends. Et si j'avance? Bon, je vais avancer tranquillement. Est-ce qu'on peut prendre l'ascenseur? Non. D'accord, je vais avancer tranquillement. Attends, respire Sam. C'est dingue, je suis obligé de m'arrêter à chaque fois que je veux respirer parce que... Quoique... Non. Là, je vous explique. En fait, j'ai essayé de respirer et d'expirer en même temps que j'étais en train de marcher. Mais du coup, je me suis perdu dans les boutons. Ça a fait ça. Donc, voilà. Le plus sage, c'est qu'à chaque fois, je m'arrête pour respirer. Voilà, donc on va prendre une grande bouffée. On va bien cligner des yeux. Et on y va, Sam. Merde. Attention. Relève-toi, Sam. Allez, c'est parti. Et droite, gauche. Allez, c'est parti. Hop, on y va tranquillement. Yes! J'ai réussi à monter les escaliers. Ça, c'est cool. Putain. Lève-toi, Sam, mon vieux. Allez. Ok. Hey, salut les gars. Salut, salut. Samuel, you're late. D'accord, je suis déjà en retard. On va y aller tranquille. Ok. About time, Samuel. D'accord. Attends, je vais respirer un peu. Tranquille. Voilà, parce que là, je suis un peu palo, tu vois. Voilà, on respire tranquille et on y va. Gauche, droite, gauche, droite. C'est parti. Tiens, salut. Et j'ai eu celui-là après mon 16e accident au laser. Laisse tomber le bordel, mon vieux, c'est Terminator. Honnêtement, je ne sens même plus la douleur. Ah ouais? Bon, bah c'est parti. On va continuer bien tranquillement. A mon avis, il y a l'ascenseur qui est arrivé, je pense. Ou non? Il faut que j'aille là? Attends. Non, pas ça. Qu'est-ce que je suis venu faire ici? Attends. Je vais aller voir le robot. Peut-être que si je fais le grand écart, il va être content, non? Pas du tout. Je vais respirer. Voilà. Ça. Je vais cligner des yeux. Non? Bon, c'est peut-être pas là qu'il faut aller. Regardez-le comment il pianote mon vieux sur le clavier. Laisse tomber. Je descends tranquillement les escaliers. Putain, laisse tomber, je suis rouge comme une tomate. Regardez la tête qui se balance. Ah bah voilà, ça va plus vite. Respire un peu, Sam. Voilà, tranquille, cligne des yeux. Et bah c'est impeccable ça. Regardez comment que je commence à le gérer mon vieux. Laisse tomber. Je commence à le gérer mais d'une puissance. Oh bah c'était pas lui tout à l'heure à la réception. Si? Bon, il faut que je fasse quoi là? C'est quoi ce délire là? Parce que je vous explique, je suis retourné au début moi. Regardez mon vieux, elle a un trou dans les cheveux elle. Laisse tomber. On dirait un X-Men. Et regardez, j'ai tellement le skill que maintenant je peux respirer en même temps que je marche. Enfin, et même cligner des yeux. Ouais, vite fait quoi. Ah! Regardez, j'ai trouvé. Voilà. C'est là qu'il faut aller. Vas-y. Sam concentre toute son énergie cérébrale pour essayer d'énoncer des phrases bien formulées. Bonjour, monsieur Samuel. Que puis-je faire pour vous? Oh putain. Voilà la position quoi. Attends, je vais me relever déjà. D'accord, je n'ai pas tout compris, monsieur. Mais en même temps, c'était chaud. Sam essaie encore. Il lui faut sa carte électronique. Ok, alors attends. Je vais respirer tranquillement. Voilà, reprends des couleurs, mon petit Sam. Et on y va. Ok. Il y avait autre chose?
Ok. Ah, loupé. Mais c'est super chaud. C'est super chaud, je vous assure. Attends. Ça, mais c'est encore. Il lui faut sa carte électronique. Attends, je respire. Voilà. Merde, loupé. Ok. Il va peut-être comprendre là. Merde, putain, j'arrive pas. J'arrive pas à lui parler. Attends, je prends une grande inspiration, vas-y. Ok, c'est parti, je me concentre, allez. Loupé. Ok. Yes. Voilà. Tu es doué avec les mots, Sam. Bah, tu m'étonnes. Bien sûr, monsieur. Essayez de ne pas la perdre encore une fois. T'inquiète, ça va le faire. Donne-moi ma carte. Oh putain, faut que je la garde dans les mains en plus, en même temps que je marche. Et en même temps que je respire. Laisse tomber, voilà le délire. Ok. L'ascenseur est occupé, Sam n'a pas le temps de le prendre. Et puis il retombe sur un vieil ennemi. L'escalier. Mais non, tranquille. Non! J'ai trébuché! C'est parti, let's go, on peut le faire. Allez! Voilà, droite, gauche, c'est parti, droite, gauche, allez. Non! Je me suis encore pété la gueule. Droite, gauche, droite, ok. Sam franchit la troisième porte pour entrer dans son bureau. Tac, voilà. Voici Ingrid, la secrétaire de Sam. Puisque Sam ne reçoit jamais d'appel et ne travaille pas vraiment, Ingrid a un guerrier de niveau 80 dans tous les jeux jamais sortis. Oh putain, carrément. Attends, je vais respirer. Ah, c'était donc toi, Ingrid, qui pianotait partout tout à l'heure. D'accord. Salut, Ingrid. Attends. Comment que je fais? J'y donne la clé, en fait? Non, pas du tout. Faut peut-être pas parler à Ingrid tout de suite. Allez, Sam! Ça doit être là. Ouais, c'est là. Voilà! Le bureau de Sam, un gaspillage d'espace, selon tout le monde. Ok, on va avancer tranquille. Sam ne fait pas grand-chose au travail, simplement parce que son père ne lui permet pas. Lève-toi, Sam. Putain, mais merde, lève-toi! Allez! Ah, c'est dur, hein. Cela laisse à Sam beaucoup de temps pour s'exercer à son jeu préféré, Flappy Rooster. Ah, un petit café bien chaud. Attends, je vais respirer. Tranquille. Sam décide de battre son record de 10 000 points. Ça va le faire, tranquille. Attends. Hop! Voilà! Alors, c'est qui le roi du café, mon vieux? Tiens, j'en reprends mes mains. Et hop là! Oh merde! Bon, on verra plus tard le café. Allez, c'est parti. Ok, putain, c'est le bordel, mon vieux, dans le bureau de Sam, là. Laisse tomber, il y a des pizzas partout. On va faire une partie de machin. Quelques frappes à la porte de Sam. C'est Ingrid. Mais c'est Samuel. Monsieur machin veut vous toucher un mot. Ah bon? Également connu sous le nom de Samuel Senior, le père de Sam. Il a l'air en colère. Prenez l'ascenseur pour son bureau. Ça marche, Ingrid? J'y vais tout de suite. Merde. Bah, Sam, relève-toi, bon sang. Voilà, tiens-toi droit. Allez, c'est parti. Bah voilà, on va prendre l'ascenseur. Allez, c'est parti. La douce musique d'ascenseur met d'humeur à être productif et à ne pas poser de questions. Ah ouais? Les interactions de Sam avec son père se sont récemment réduites à de brefs entretiens dans son bureau. Bonjour, bonjour. Oh putain, à mon avis, ça doit être par là. Voilà, j'avais vu LB. Ok, on est dans le bureau du padré. Je pense, ah ouais, carrément, avec le petit terrain de mini-golf et tout. Voici Samuel Senior, le propriétaire de Robocorp Incorporation. Et il en a assez que Sam soit toujours en retard au travail. Il a pas l'air content. Sam sape le moral de toute l'entreprise. Il est temps qu'il travaille pour mériter son argent. Fini les bureaux confortables. Tu commences tout en bas. Aujourd'hui, tu commences comme introduiseur de l'Iphidium dans l'entrepôt. Descends au sous-sol et au boulot. Ouh, putain, il est pas commode, mon vieux le père, là.
C'est un truc de fou. Sam a déjà fait nettement pire pour impressionner son père. Bon bah ça devrait être tranquille alors. Le lithium est un matériau extrêmement rare, bourré d'énergie. C'est l'ingrédient essentiel qui a assuré le succès des robots de Robocorp Incorporation. Son énergie se mesure en conscience, et une toute petite quantité permet de faire des merveilles pour l'intelligence artificielle. Malgré tous ses efforts, Sam est obligé de travailler pour la première fois de sa vie. Ah ouais ? Au moins, il est en vie. Le travail de Sam est tellement simple que c'en est ridicule. Il doit actionner un levier pour faire tomber un bloc de lithium. Alors attends, ça doit être ça le levier. Vas-y. Voilà. Ensuite, il doit mettre la quantité nécessaire de lithium dans l'encoche de chaque robot. Mec, ton père n'aurait pas pu choisir une pire journée pour te faire bosser là-dessus. Donne-moi ça. Voilà. Il faut bien sûr que je le garde dans les mains et que je l'emmène jusqu'à là-bas. Ok. Ça va être chaud, moi je vous dis. Ok. Tiens. Voilà. Même cette tâche est trop difficile pour Sam qui lâche la substance toxique. Je me détends, je plie les genoux. J'ai oublié de respirer. Merde. Voilà. Et bah voilà. Il en reste plus qu'un à faire. C'est plutôt cool. Vas-y. Droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite. Allez. Et bah voilà. Alors. C'est bon maintenant, je suppose qu'il faut que je fasse ça. J'ai gagné. Ok, voyons voir. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Oh putain, c'est quoi ce bordel, mon vieux? Je me détends, je plie les genoux. Sam décide de boire de l'eau parce que. Pourquoi pas? D'accord, alors attends, avant de boire de l'eau, je vais prendre une grosse bouffée d'oxygène. Laisse tomber, je suis bleu, mon vieux! Alors attends, donne-moi ça. Hop là! Et bah voilà. Allez c'est parti. Ah ouais du coup maintenant va falloir que laisse tomber comment que ça va être chaud. Ouais je vois ce qu'il faut faire mais ça va être super chaud. En fait il va falloir que j'amène les deux substances de machin jusqu'à l'autre côté. Ok vas-y donne moi ça. Allez c'est parti. Tranquille. Attends je vais peut-être respirer un peu. Voilà. Et en fait il faut pas que je lâche RB sinon le machin il tombe. Et là, faut que je donne juste un petit coup sans le lâcher. Blink, Sam, blink. Je l'ai pas lâché. J'ai donné un petit coup. C'est quoi ce délire? Ah bon? En fait, le truc, c'est qu'il va falloir que j'ouvre ça. Voilà, et que je me dépêche d'aller chercher le machin. Il faut que je me dépêche. Allez, vas-y. Vas-y, donne-moi ça. Allez, il faut... Non! Il faut que je me dépêche. Ne te ferme pas, ne te ferme pas. Ça passe. Yes! Ça passe, nickel. Wouh! Et ben impeccable. Regardez, j'en mets déjà un. Voilà. Il en reste plus qu'un à mettre. Pour gagner du temps, je vais déjà actionner le levier. Voilà. On va déjà actionner ça. Je vais ouvrir la porte. Et là, mon vieux, c'est la course contre la montre. Ok, c'est parti. Merde! Relève-toi, Sam. Non! Relève-toi! Putain, mais c'est pas vrai. Vas-y. Ok, c'est parti. Allez, ça devrait le faire. Allez, donne-moi ça. Allez. Il faut que je me dépêche. Faut pas que la porte se referme. Ça va être chaud, ça va être chaud, ça va être chaud, ça va être chaud, ça va être chaud. C'est bon. Impeccable. Yes. Attends. Voilà. Voilà. Cligne des yeux. Ok. Maintenez A enfoncé. Non, mais non, ça c'est bon. Je peux faire un kickflip, dit la mort, n'ayant en fait jamais fait un kickflip de toute son existence. Ah oh, ouais, en fait, lui, il veut tout le temps faire des kickflips, quoi. Oh, le délire. Oh, il va tout péter. Laisse tomber. La mort réussit à déverser du lipidium sur tous les robots du sous-sol. Oh non 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 non. Oh le délire. D'accord, ça va être la guerre. Sam, qu'est-ce qu'on va faire, yo? Tous les robots du sol deviennent doués de conscience et se font la malle. Sam doit quitter le travail le plus rapidement possible et cette fois-ci, il a une bonne excuse. Tu m'étonnes. Tu ne vois pas, crétin des Alpes? J'ai directement participé à donner vie à ces choses. S'il blesse quelqu'un, je suis dans 10 tonnes de caca. Ok, on se casse de là. Ah bah non, il a tout cassé. Comment qu'on fait maintenant? Sam se résout à mourir et laisse tomber. Non, 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 tu ne peux pas mourir maintenant, mon pote. Bah qu'est-ce qu'on fait alors? Hein? Allez, il faut cracher de l'eau sur la console. Ah bon? Ah, c'est ça qu'il faut faire. Fallait le dire. Ah bah heureusement qu'il m'a donné l'indice, mon vieux, je savais plus quoi faire là. On prend de l'aspiration.
et on va cracher de l'eau sur la console. D'accord, donc là, il faut pas que je l'avale. Il faut que j'aille là-bas. Mais attendez, on dirait que Sam a un plan. Ah merde, je l'avalais. Ah oui, j'aurais dû respirer en fait. Ok, on y va, tranquille. Tranquille, voilà. Allez, crache-moi ça. Voilà. Yes. C'est bon. Sam court-circuite la porte, il vivra un jour de plus pour respirer manuellement. Mais tu as raison, adorable fils de l'émirien. Ah ouais. Vas-y, j'y vais mon vieux, je vois plus rien. Vas-y, cligne des yeux. On y va, tranquille. Je vois absolument plus rien, c'est tout flou. Il faut que je cligne des yeux à mort. Oh putain mon vieux, je vois rien du tout. Regardez-le, il est déjà là lui. C'est bon? Ouais, c'est ce que je veux dire mec. Eh ben voilà. On a gagné. Nous sommes dans le caca messieurs. Quelqu'un a exposé les robots à trop de lithium. Et ils sont maintenant tous doués de conscience. Ils se dirigent droit sur l'orphelinat à champignons. Population, 300 petits enfants trop mignons. Tous les robots qui sont devenus conscients ont été produits dans les 10 dernières années. Cela signifie qu'ils ont tous un arsenal de fonctions, mais qu'ils sont diaboliquement fragiles. Nous allons devoir utiliser un vieux robot assez fiable pour les éliminer. Mm-hmm. Il est à commande manuelle. Ah ! Ça me connaît les commandes manuelles. Mais enfin, Johnson, aucun d'entre nous n'a fait quelque chose manuellement depuis des années. Oh, j'ai fait encore des choses manuellement, parfois. Écoute-la, elle. Ouais, ok, d'accord. Crise cardiaque. Je pourrais peut-être... Elle a fait une crise cardiaque. Je t'ai dit qu'il lui restait quelques heures. Des volontaires pour cette tâche? C'est moi qui lève la main, ça? Ce n'est pas que je n'ai pas confiance en toi, fiston. Mais je ne t'ai encore jamais vu faire quelque chose par toi-même. Ouais, tu rigoles, je suis en train de marcher et tout. Alors j'attends de voir. Ah ouais, c'est l'autre qui fait lever la main. Relax, cousin, tu n'es pas tout seul. Ok. Ouais, bien écoutez, on va s'arrêter là pour la vidéo. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Mais si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit like, pourquoi pas la partager. Et dites-moi dans les commentaires si vous êtes chaud pour la suite. Apparemment, la prochaine fois, on aura un travail à exécuter tout manuellement. Donc, ça risque d'être bien chaud. Sur ce, moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Et ciao tout le monde, bye!